Alors, bienvenue sur la chaîne de Paul Favor Productions. Cette chaîne est spécialement consacrée à tous ceux qui, comme moi, sont des passionnés du beatmaking et qui veulent créer un empire dans la musique. J'ai commencé à faire de la musique d'Attila quelques années. Et c'est seulement depuis quelques mois que j'ai compris qu'il fallait que je suive des formations, que j'ai compris qu'il fallait que je passe à l'action. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les plus riches de ce monde sont ceux qui passent leur journée à passer à l'action. Et tout comme toi, j'avais des difficultés à savoir comment disposer mes notes pour avoir des mélodies assez captivantes, des mélodies assez professionnelles. J'avais des difficultés à savoir quels sont les différents plugins même que je devais utiliser pour faire mes prods. J'avais des difficultés à arranger mes sonorités. Je ne savais pas comment représenter les sonorités qui étaient dans ma tête. Je ne savais pas comment représenter les mélodies que j'avais à faire dans ma tête. Ok. C'est pourquoi je me suis dit, ok, maintenant que j'ai quelques notions, pourquoi ne pas partager avec toi? Pourquoi ne pas partager avec des gens qui, comme moi, sont dans les situations que j'étais auparavant? Ok. Ma formation comporte 4 modules. Le premier module va t'apprendre à faire des batteries typiques afro-trap, c'est-à-dire comment disposer les notes pour faire des kicks, comment disposer les notes pour faire des snares, des percussions, comment agencer ces batteries. Le deuxième module va t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour faire des mélodies typiques afro-trap, tout ce que tu dois savoir sur les plugins qu'il faut utiliser, sur comment configurer tes plugins. Ensuite, le troisième module t'apprend à mettre des basses sur des instrus afro-trap. Ce troisième module va te permettre de pouvoir donner de la valeur à tes prods. Dans ce module, tu vas voir tout ce que tu dois appliquer pour pouvoir amplifier et donner vraiment de la puissance à tes prods. Le quatrième module, je t'explique comment structurer tes prods, je t'explique comment tu peux faire pour avoir des prods très bien structurés. Sur ce, je te souhaite bonne chance et surtout, n'oublie pas de passer à l'action. Tout ce que tu vas apprendre ici, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Tu sais, ciao.